Non! Oh, qu'il est con, mais qu'il est con, mais comment ça se fait d'être aussi con? C'est pas possible, mais c'est quoi cette IA quoi? Mais ils ont même pas de vie, ils se font tirer une fois dessus, ils meurent. Allez, vas-y, prends-toi trois coups, voilà, comme ça il a le temps de recharger. Non mais j'avais le temps de repasser là. Ouh, je sens que ça va être aussi dur que le temple de Boom. Tais-toi. Attends, est-ce que si je fais ça, ça le fait aller à... Pas du tout. Bon, très bien. Comme il n'agit qu'à ce... que sa tête, que ses idées, on est mal barré. Allez, longe le mur. Mais comment j'ai pu me prendre ça? Mais comment? Vraiment, mais vraiment. Ouais, il a duré moins longtemps que tous les autres, celui-là, tu vois. Allez, on y va. Mais arrête d'être au milieu, purée de toi. Allez, reste ici. Je préfère me prendre le mur, mais au moins je me fais pas toucher. Meurs, voilà. Allez, on y va. On contourne les babales. Prends pas un truc. Quand c'est pas le rat, c'est le con. C'est l'idiot là. C'est pas possible. On va pas réussir hein. C'est pour ça que j'ai pas joué au 1 finalement. Je sentais que ça allait arriver. Une fin douloureuse. Tout mourir à cause d'un mur quoi. Avance. Je recule. J'avance. Je recule. J'avance. Je recule. Et je avance. Pourquoi? Comme ça, moi, je suis sûr qu'il y a une sauvegarde entre temps. Ce changement de salle, c'est pas fait. Voilà. Allez, meurs. 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 Non! N'avance pas, n'avance pas, n'avance pas, putain, non! Prends-toi les balles à sa place. Voilà. Prends-toi les balles à sa place aussi. C'est bon. Allez, on peut y aller. Attention les balles. Voilà, c'est bon. Allez. Attention aux balles. Putain, faut tout se prendre, faut tout se prendre. Tu peux le tuer. D'accord. Viens avec moi, on continue avec le char. Alléluia. Faut se prendre des balles à sa place, c'est bon, hein. J'ai plus de vie, mais c'est pas... Te prends pas les... Dans le char. C'est pas moi qui le conduis, hein. Juste pour dire. Bon, bah on a réussi. Celui-là était un petit peu moins con que les autres. Enfin, si, il était aussi con, mais. Un char. Il met plus de temps à mourir avec ça qu'avec mes balles rouges. C'est quand même impressionnant. Ça simplifie la tâche parce que passer tout ça avec un idiot, ça m'aurait un peu ennuyé. Là, je ne joue pas, je ne touche pas le clavier. Hein. Alléluia, c'est ouvert! On va enfin voir l'intérieur de cette chose. Bon, là, je pense pas qu'on puisse continuer en char. Hein. Sinon, arrête ton char. Tu sors ou tu sors pas, mon petit? Voilà. Je reste en couverture. Va libérer le colonel. Ok, donc maintenant tu peux mourir. Non, c'est bon, il est pas mort. Allez. Reste en couverture et je vais libérer le colonel. Ah.
Ah, il s'est mis en mode énervé. Ah, le lapichon, il peut pas m'aider là? Juste question comme ça, hein, question con. Il reste derrière en couverture, il sert à rien quoi. Putain, mais tu veux. Ah merde, je me suis mis en mode. En mode plein écran, c'est exactement ce que je voulais. Et je vais me prendre un coup, non, ça. Mais viens mourir! Voilà. Voilà, c'est bon. Et un de moins. On aura réussi, les enfants, on aura réussi, c'est parfait. On va prendre un peu de vie parce que t'en avais perdu un max. Il faudrait que tu reprennes aussi un peu de magie, un peu de fantaisie. Est-ce qu'il va me dire quelque chose ce gars-là avant qu'il meure? Non, il a rien à dire. Ok. Très bien. Alors, on continue. Avançons dans les méandres de la réalité de ce jeu. De la vie, moi, ça me va. Tout me va, de toute façon. Et les sous aussi. Très bien. Quoi, cet endroit? Qu'il y a un passage secret. Ce n'est pas le cas. Alors on continue. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Donc il faut aller tuer le lapichon clone. Est-ce que je peux? Non. Non, je me suis remis en mode plein écran. Quand je me mets en mode plein écran, je perds le contrôle de Twinsen pendant quelques secondes. C'est pas possible. Est-ce que ça s'ouvre? Non, ça s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Je vais vers lui, je lui tire une balle. Oui, une clé de la magie. J'ai plus de magie en plus, donc ça tombe bien. J'ai 20 points. Allez. Alors, je vais voir si ça ouvre. Je suppose que ça ouvre en haut, mais du coup, c'est pour ça que je vais en bas. Ça peut peut-être ouvrir en bas aussi. Non, ça n'ouvre pas en bas. Alors, on y va, on va en haut. Ah, ça a changé de zone. On voit la zone. Des sous, bon, c'est pas trop ce que je voudrais. Je voudrais plutôt des cœurs et de la magie si possible. Le soldat m'a vu, non? Oui, il m'a vu. Pas très très grave, je vais passer par la droite. Le bureau. Oh, plus le lapin. Le lapin, il va mourir. Comment ça, j'ai pas eu? Voilà, le lapin, il va mourir. Ah, c'est la prison là, ici, apparemment. Ce que je vois, puisqu'il y a la même armoire que quand j'ai besoin de récupérer des trucs. Ah, il a un pistolet. J'avais pas, moi. Non, pas de pistolet d'habitude. Mais non, ne meurs pas maintenant, ne meurs pas. Pas de game over, hein. Bon, ça va. Ah, hors de question d'avoir un game over maintenant, hein. J'ai encore un trait. C'est bon. Non, je me suis remis en mode plein écran. Ça fait aucun changement pour vous, j'ai l'impression, donc ça va. Tant mieux. Cours, cours. Personne m'a vu. Bon, lui, il est con, donc ça va. Lui, il faut bien que je la vise. Mais allez, oh, me dis pas que tu es aussi précis. Il faut être aussi précis que ça, quoi. Voilà. Allez, meurs le lapichon. Voilà, il est mort. Alors, vous doutez bien, je vais pas tout de suite. Et je vais tuer celui-là. Il faut que je fasse un coup comme ça, un coup comme ça. Voilà. Dans le temps, tu voulais me tuer en même temps. Je veux dire, c'est normal que je te tue avant. Hein. La pièce est prise, la clé. C'est pris, l'armoire. Une clé! Bah tiens, comme quoi. Peut-être on pouvait passer sans prendre de clé, je sais pas. De toute façon, j'ai pas envie d'essayer. Ou à moins que cette clé.
Je ne sais pas. Hein. Je réfléchis. Parfois ça mène à des choses de fondée. Bonjour. Allez, viens mourir, toi. Non, t'as pas le temps. Non, tu n'as pas le temps. Une autre clé, tiens. Est-ce que celle-là, ça... est-ce que cette porte s'ouvre? Oui, cette porte s'ouvre. Déjà, c'est bien. Est-ce que ce gars a une clé? Est-ce que ce gars, il faut le tuer en mode discret? D'accord, on ne peut pas. On va se mettre en mode sportif. Le mode sportif normal pour récupérer le cœur. Les 5 cœurs, parfait. Là, je pense qu'il doit y avoir un passage, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de passage. Bon, on va passer par là, on verra bien. Et ça m'inquiète, j'ai cru voir un téléporteur. Ah non, c'est une machine à voyager dans le temps. C'est un tardiste steampunk. Voilà ce que je voulais dire. Bijoule, on n'arrive pas le dernier. Ah, tu t'y attendais pas. Et donne. Oh, putain, même ça, il arrive à rater quoi. Non. Hop. Ah ah, donne ton. Non. Ouais, j'ai quand même mort avant donc ça. Je sais pas à quoi me servent toutes ces clés, mais au cas où, je les garde et j'irai voir la porte après. La porte qu'il y avait, vous savez. Ah bah non, mais y a pas possibilité. Apparemment, ça sert pour cette porte-là. À moins que... Non, il va falloir que je refasse tout ensuite. Cette porte-là. Mais la balle, utilise la balle, espèce de duo. Mais comment il peut me taser derrière un mur? Voilà, c'est bon. Mais tu peux pas, je suis derrière un mur. Bouche, bouche. Meurs. Mais... Meurs, espèce de fantassin. Clé. Alléluia. Un paravent, il doit bien avoir un truc là, derrière. Souvent, ils mettent des trucs derrière les paravents. Voilà. Donc là, c'est pas le cas. Mais d'habitude, c'est le cas. L'armoire, des sous, beaucoup ou pas beaucoup? Pas beaucoup du tout. Et le gars qu'il faut sauver, le colonel, serait-ce lui? Oui, c'est lui. Libérez-moi! Oui, ça va, 2 minutes. Voilà, tu es libre. Vous, le Quetch, je vous dois une fière chandelle. Si vous voulez redescendre sur l'autre versant, essayez d'actionner la plaque électrique au bout de ce couloir. D'accord, merci. Allez, va, ton équipier t'attend. Ah! Bonjour l'éléphant. Ah, il m'a vu. Merde, je repars. Faut que j'envoie la balle loin. Je ne touche pas d'ici, donc ça va. Meurs? Non, il veut pas, hein. Il veut pas. Hein. Il veut pas. J'ai encore de la magie, ça. Voilà, c'est bon, il est mort. Et beaucoup de magie, parfait. De la vie. Beaucoup, non, rien du tout. Comme d'habitude. Et il y a ça à actionner. Non, pas ça à actionner. Bon. Il y a ça, il faut aller là-bas. Plus de clé, donc déjà c'est bon à savoir. Est-ce que je peux aller ici? Non, donc je peux aller tout droit. Bon, ben on avance bien. Dans la neige, il y a le froid, mais on avance. Ça, c'est typique des jeux. On va être accueilli par des. Voilà. Par des loutres. Qu'est-ce que c'est ça? Les Camis t'ont donné un snowboard. Oh! Je dois snowboarder. Je sais pas si c'était une bonne idée de passer par le rouge, tiens. Oh! Awesome!
T'arrêtes quand? Enfin, une station de ski. Je veux dire, dans un endroit où on est censé pas être, il y a une station de ski. Et la carte rouge sert à ça. D'accord. Bon, mais la piste bleue. Plus de musique. Ah, il y a du son, c'est qui compte. Yahoo! Je peux rien faire, on est d'accord. Hein. Je peux rien faire. Donc, ça, c'est un remonte-pente. Et le gars, je peux pas lui parler? Bon, ça, c'est bon là. Ben, il reste plus qu'une piste, hein. Il reste plus que la piste noire. La piste de tous les déboires. Oh, oh, super des rimes. On va passer par là. On va marcher tranquillou. Ça ne veut rien dire. Allez, fais la piste noire. Floats. Yo. Un overboard, son truc, hein. Plao. Ciao. Plao. Ouh, il saute. Ouh, je pensais pas qu'il était aussi doué celui-là. Il est fini. C'était très amusant. Allez, on y va. Maintenant, on va parler au monsieur. Bonjour. Bonjour. Pour utiliser le remontant, servez-vous de votre carte rouge. C'était juste ça que tu disais depuis le début. Et on a attendu pour rien. Enfin, on a recherché pour rien, oui. Qu'est-ce que je fous là, quand même? Je suis pas censé être là, moi. Bon, un arbre aussi. C'est pas très très rare. Non. Il n'y a pas un chemin là, il y a l'air d'avoir un chemin caché. Non, il n'y a pas de chemin. Continuons les amis, continuons. Là, il y a une pente. Oh, j'ai... Ouh, c'est là, c'est bien beau, mais... Il y a un territoire ici. Là. Il n'y a pas de territoire. Recrue. Ah, la piste verte. Youh, ouais. C'est bon? Merci. Allez, tu t'es bien amusé. Allez, on continue à voir où on doit aller. Parce que là, à part une station de ski, j'ai pas vu trop ce que c'était, ce truc-là. Hein. Ah, j'ai vu une pente. Ok, donc on devra passer par là. N'empêche, je continue à faire le tour. Il faut pas que je repasse par les drapeaux. Ouais, c'est bon. Bon, ok, après c'est que des stations de ski. Perdu, j'ai un peu perdu de vie, mais là, j'ai un petit peu perdu de la vie, mais c'est pas grave. Tac. Voilà. Du rocher. Bonjour, toi. Ah, hein. Mais. Espèce d'insecte chèvre. Attends, avec la musique, j'aurais dû m'en douter là. Le terrain est très très grand. Et que je fais un reportage sur cette zone. Y'a rien, il n'y a pas d'endroit à rentrer là. J'ai entendu un bruit là-bas, j'irai voir après. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est un terrier avec des vêtements. D'accord. Je pensais pas du tout atterrir ici, mais... Bonjour monsieur, tu me dis merci ou pas? Bonjour. Ah, merci de ton aide. Et surtout si tu vas dans l'usine, détruis bien les œufs. Sinon d'autres monstres seront produits et viendront attaquer le village. Ah, une histoire de... Ce sont des aliens. Oh! Merci pour le trèfle. Surtout que j'en avais plus. Merci, gars. C'est gentil. D'accord, donc quand j'étais arrivé par là. J'ai toujours... Oh! Toujours se prendre un truc. Il y a une espèce de signe cristal. Mais. Sérieux, je suis mort? N'importe quoi, quoi, je vais commencer à l'attaquer, le gars. Mais laisse-moi du répit!
Un trèfle perdu pour rien, quoi. Mais pour rien. Tu veux me le rendre ou pas? Bonjour. Ah, merci de ton aide. Et surtout, si tu vas dans l'usine, détruis bien les œufs. Bon, ça, tu me l'as déjà dit. Merci pour ta danse honnête, mais t'as plus de trèfle à donner. Ah. Okay. Ah, si, voilà, merci, mon gars. Ah, tu me sauves la vie, c'est que de dire. Demoiselle en détresse. C'est bon. Oh, ah ouf, sauvé. Merci, merci. De rien, avec plaisir. Tu dois me donner un trèfle toi aussi. Merci. Bonjour. Ah, trois trèfles, c'est très bien. Savais-tu qu'il y a un lac d'eau claire tout près d'ici? Il est situé près de la porte de la carotte sacrée et il est en étroit rapport avec une prophétie. Ah bah ça tombe bien, ça me concerne. Je suis le fameux élu de la prophétie. Il y a un chemin là. Il y a des cailloux, des carottes. Grosse carotte. Il y a une porte là-bas. Peut-être ça doit être ça. Là. Hey toi! Ne touche pas à notre tambouille! D'accord. Pardon. Noble étranger, nous t'ouvrirons la porte de la carotte sacrée si tu sabotes l'usine de mutants d'où partent les monstres qui infestent cet hémisphère. Cette porte mène au rivage. Et de là, tu pourras accéder à toute cette partie de la planète. De ce côté-ci, tu ne pourras pas pénétrer dans l'usine. Mais Sweet Wingy, cette jeune lépichonne va te conduire à un passage secret. Il te permettra de rentrer dans l'usine de mutants, mais de l'intérieur. Ah, c'est intéressant. C'est toi la lapichonne que je dois suivre? Bonjour. Le passage que je trouve permet d'aller dans un port d'où partait l'ancien métro qui traversait la Malaisie. J'ai vu un signe tout à l'heure là-bas, je me demande si c'est pas là-bas. C'est là où j'ai vu le signe, je crois. T'es sûr? Sûr. Bonjour. Le passage que je Ok, merci. Alors attends, je vais voir autre part là, puisque t'as la porte, tu m'as dit qu'il n'y avait pas ouvert. Mais elle te prend pas les armes. Mais là-bas, il y avait un terrain, j'ai vu.